Yo les amis, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature et à ce qui s'affiche en haut de l'écran, on va réagir au trailer de la nouvelle saison de The Crew Motorfest et on verra les nouveaux véhicules et tout ce qu'il y a à voir. Donc, on peut déjà être sûr que le groupe Atlantis revient sur The Crew Motorfest après être parti en début de sortie. Donc on voit les affiches de saison comme d'habitude. Je lis pas les sous-titres. Hein, donc là on peut d'abord voir pas mal d'informations. Donc on sait de sources sûres que la prochaine saison se passe sous le thème du lowrider et de tout ce qui est véhicule de ce style-là. Donc on peut d'abord voir un véhicule ici sur le côté qui est je sais plus trop le nom. Mais on peut voir qu'elle est elle a des jantes un peu à la GTA. Là, on peut en voir une autre ici. On peut voir la fameuse RS6 qu'il a, ou RS7, je ne sais plus exactement. Là, il y a une voiture qu'on a custom sur la chaîne, je ne sais plus le nom. Mais on peut voir sur la plaque d'immatriculation. Pour que Japan, donc certainement un kit qui va sortir ou alors une édition limitée avec un kit custom, un kit large, et là la nouvelle Ford Mustang. Donc là, des talents de customisation devraient atteindre un niveau au sommet. Là. Donc là, on peut voir pareil la version lowrider et la version de base de la voiture. Voilà, donc là on a la prochaine saison va s'appeler Dunk vs Lowrider. On peut voir déjà pas mal de nouveaux véhicules, comme celle-ci qu'on n'avait pas, celle-ci qu'on voit dans le trailer, celle-ci qu'on a en premier plan, je crois, si je dis pas de bêtises, pareil. Et vous voyez que les véhicules ils sautent beaucoup plus haut par rapport à ceux qu'on a vu sur ce Pro 2. Hein. Si je dis pas de bêtises, on en a deux déjà. On en a une qu'on voit dans le trailer juste ici que je vais, je pense, acheter parce que je l'ai pas. Regardez, on voit celle-ci que on peut acheter que j'ai pas. Et on va pouvoir jouer avec les suspensions, les trucs comme ça. Pareil, encore un nouveau véhicule. Ce serait bien qu'on ait une nouvelle playlist. On peut voir aussi un nouveau quartier ou un quartier qui aurait été modifié du coup. Des nouvelles jantes. De la customisation beaucoup plus poussée. Vous voyez, les véhicules, ils vont aussi haut que le perso, ça peut être cool pour des miniatures. Peut-être un nouveau custom show du coup, un nouveau genre de custom show. DL, les nouvelles jambes. Et là on peut voir. Attendez, hein, je vais faire pause. Là on peut voir une nouvelle piste de drag. Donc qui sait? Peut-être le drag pour toutes les catégories. De l'hypercar à la Street Champ 1 ou à la Formule 1. Un peu comme on peut avoir sur Forza. Ça peut être très cool de pouvoir tester les véhicules ou se mesurer à nos potes pour pouvoir faire des tests, voir quel est le véhicule le plus rapide sans pièces, avec pièces, sans réglage, avec réglage. Qui peut être cool. Et vous voyez, c'est des longues lignes droites. Il y a des nouvelles jantes aussi, regardez, ils sont stylés. Donc on va savoir ça le 3 juillet, du coup le mois prochain, il y a une conférence, si je dis pas de bêtises. Et là on peut voir les nouvelles Alfa Romeo qui reviennent. Tous les véhicules du groupe Atlantis ou autre. Qui est... merde. Ah j'arrive pas à la prendre. Celle-ci qu'on voit là, la Alfa Romeo là. Là. Putain j'arrive pas. Bah celle-ci c'est une exclusive, c'est sûr.
Et celle-ci aussi, mais j'arrive plus à avoir le modèle, je sais pas c'est quoi. Les lanciers, c'est pareil. La Barthe, elle va revenir. Donc si vous les avez sur ce coup 2, n'ayez crainte, ils vont être transférés. Mais si vous les avez pas et que vous avez les finances sur ce coup 2, je vous conseille comme à chaque fois de les acheter sur ce coup 2. Et celle-ci, c'est un véhicule qui est en Twitch drop sur Twitch. Mais vous pouvez l'avoir à l'achat prochainement dans les Bucks. Donc moi je vais essayer de l'avoir en Twitch drop pour vous faire une custom. Mais je vais essayer, hein. Faut que je mette mon compte et tout ça. Et aussi, on va avoir des nouveautés certainement, des nouveaux systèmes ou peut-être le pass le 3 juillet. On va tout savoir de toute façon le 3 juillet, donc je referai une vidéo concernant ça le 3 juillet. Donc là, on était directement sur YouTube de The Crew. On n'avait pas forcément le son, ce qui est dommage. Mais voilà, vous pouvez voir que on aura certainement des nouvelles playlists ou autres. Pas mal de nouveautés. Parce que là, ce qui est dommage, quand on va dans les marques ou autres, bah, on n'a pas Alfa Romeo. La seule marque du groupe Atlantis qu'on a, c'est Aston Martin. Là, on peut voir qu'on a. On va avoir une nouvelle Audi et la Lowrider que je vous parlais. Attendez que je la cherche. Elle est où? Juste, elle a 1,2 million ici. Elle a 1,1 million sur deux quoi. Donc on en a une ici. De source sûre. Que je vais acheter du coup. Que je vais acheter, voilà. Continuer mes achats. Et on va essayer de chercher après la deuxième. Elle est peut-être dans les Dodge. Je sais que c'est une verte. Hein. On l'a vu dans le trailer. Il faut que je la retrouve. Non, peut-être dans les Ford. Non plus. Du coup, je vous ai parlé d'un kit sur une voiture. Si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci. C'est soit celle-ci. Ouais, bah ça doit être celle-ci. Donc sur l'Integra Type R, on aurait certainement un kit. Je vois pas, il est où le deuxième Lowrider? Non, il est pas là-dedans. Maserati non plus. Ou c'est peut-être sur la Mazda le kit? Celle-ci, je suis dégoûté de pas l'avoir eu. Mercedes, Mini. Ah non, c'est. Oui, c'est bon. Ces véhicules-là. On a fait la custom sur la chaîne en plus. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus. C'est un. Ou c'est là, c'est celle-ci. Je pense que c'est. Bah, de toute façon, c'est. C'est une des Nissan ou autre. Hein. Il faudrait que je regarde les trailers. Elle est où cette voiture? Ah là, ok, c'est. Voilà. Donc, comme ça, j'ai acheté les deux Lowriders et je ferai peut-être une vidéo où je vous les custom toutes les deux parce qu'il y en aura pas. Il n'y a pas beaucoup à parler sur ces voitures-là. Donc, j'espère que le trailer vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis ciao, bye et. À demain pour une prochaine vidéo, la vidéo du Summit.